Je donne tout de suite donc la parole à Enrico Benelli, qui va nous parler du déchiffrement de l'étrusque. Enrico Benelli, donc de l'Université de Rome III. Merci. Je dois avant tout remercier Laurent Messer pour la traduction de mon texte. J'espère que ma prononciation ne sera pas trop barbare. Et le déchiffrement de l'alphabet étrusque est lié au nom de Luigi Lanzi, l'une des plus importantes figures du mouvement de Lumière en Italie. Luigi Antonio Lanzi était un abbé jésuite. À la suite de la suppression de l'ordre en 1775 et grâce aux bons offices de Angelo Fabbroni, responsable de l'université de Pise, il fut chargé par le grand-duc de Toscane, Pietro Leopoldo, de s'occuper des immenses collections du grand-duché en tant qu'assistant du conservateur Giuseppe Bencivenni Pelli, auquel il succéda en 1793. Ces collections posaient deux problèmes particulièrement complexes, le classement de très nombreux tableaux rassemblés au cours des siècles et la gestion d'une tout aussi importante collection étrusque. Avec l'esprit des idées qui le caractérisait, Lanzi sut mener à bien ces deux tâches. En ce qui concerne la civilisation étrusque, Lanzi se rendit compte qu'il n'arriverait jamais à sortir des débats infinis qui avaient animé la recherche depuis le XVIIe siècle sans réussir au préalable à comprendre au moins quelque chose de la langue étrusque. En effet, la connaissance de la nature de la langue était considérée comme indispensable pour classer correctement la civilisation étrusque au sein des cultures du monde antique. La publication du Saggio di lingua etrusca en 1789 fut un événement retentissant dans le contexte des études antiques de l'époque. Bien évidemment, les critiques, parfois sévères, ne manquèrent pas et Lanzi dut y apporter des réponses. Mais il fut tout de suite évident que les Saggio marquaient un progrès décisif et définitif dans la compréhension de l'étrusque. Ainsi, Karl Ottfried Müller, auteur en 1828 du premier manuel d'étruscologie, déclara sans embâche que la publication du Saggio de Lanzi était l'acte de naissance de l'étruscologie moderne. Lanzi continua à travailler sur la langue étrusque après 1789 en corrigeant et complétant les Saggio en vue d'une seconde édition qui était achevée au moment de sa mort en 1810. Le manuscrit resta toutefois inédit jusqu'en 1824 quand il fut publié par Giovanni Battista Zannoni, qui avait succédé à Lanzi dans la gestion de galeries du Grand-Duché. Cette édition de 1824 du Saggio resta pendant une quarantaine d'années le texte fondamental sur la langue étrusque. Le caractère révolutionnaire du volume de 1789 tient à deux grandes nouveautés. La première était évidemment le déchiffrement de l'alphabet étrusque que Lanzi mena presque entièrement à terme. La seconde nouveauté du Saggio était la découverte du fonctionnement du système anthroponymique étrusque. Dans la mesure où l'ensemble des lexèmes étrusques connus est composé pour plus de 95% du nombre des personnes, il est clair que la compréhension du système anthroponymique permet également de traduire une bonne part des inscriptions. L'importance de cette découverte a été fortement soulignée dans les manuels de 1828 de Müller. Ce dernier a montré que Lanzi, en démontrant que les Étrusques avaient un nombre de familles héritées par voie patrilinéaire, avait complètement modifié les conceptions traditionnelles sur la famille étrusque qui, depuis des siècles, étaient fondées sur des informations transmises par des auteurs grecs, informations qui se sont révélées n'être guère plus que des ragots tentés de racisme. Pour revenir au déchiffrement de l'alphabet étrusque qui nous occupe plus directement ici, il est important de suivre les étapes qui ont amené Lanzi à ces résultats historiques. Il est très clair que Lanzi n'était pas parti de zéro. Les premières tentatives d'interprétation de l'écriture étrusque remontent au XVIe siècle, mais ont souvent pâti d'un préjugé. Comme les Étrusques étaient considérés comme faisant partie d'une série de civilisations autres par rapport à la civilisation classique, celle de Grecs et de Romains, la langue étrusque était considérée a priori comme apparentée à la langue hébraïque. Israël, et en particulier ce que l'on appelait les tribus perdues d'Israël, étaient souvent considérées comme les ancêtres de ces civilisations non classiques. Beaucoup ont alors tenté d'interpréter l'écriture et la langue étrusque à l'enseigne de l'hébreu,
sans arriver à aucun résultat valable. Ces préjugés initiaux expliquent qu'il ait fallu si longtemps pour comprendre l'alphabet étrusque, ce qui est paradoxal dans la mesure où, au fond, l'alphabet latin dérive de l'alphabet étrusque, et que ce dernier, à son tour, s'est formé sur une base grecque. Il est vrai que l'écriture grecque qui a servi de base à l'écriture étrusque est l'écriture archaïque du type dit rouge, qui diffère de l'écriture du type dit bleu, qui est à la base de l'alphabet grec classique. Néanmoins, avec les formes de lettres latines et celles de lettres grecques, on disposait d'un matériau suffisant pour aboutir bien plus tôt à une lecture presque complète de l'alphabet étrusque. Mais il en alla différemment. La lenteur du processus de découverte tient à plusieurs facteurs. Le premier, comme nous l'avons vu, fut la tentative de rapprocher les lettres étrusques des lettres hébraïques, mais plusieurs autres problèmes très imposants se posaient, à commencer par la présence d'un certain nombre de faux à l'intérieur du corpus épigraphique, de faux matériels, c'est-à-dire des inscriptions falsifiées, mais aussi des faux sur papier, c'est-à-dire des relevés d'inscriptions qui n'avaient jamais existé. À ces faux s'ajoutait aussi un nombre non négligeable de mauvaises transcriptions d'inscriptions véritables. Ces faux et ces erreurs de transcription introduisaient dans l'inventaire du graphème de l'écriture étrusque un nombre assez important de signes qui n'avaient pas d'existence réelle. Un autre problème très important était la conviction que toutes les inscriptions découvertes en Italie qui n'étaient ni grecques ni latines étaient forcément étrusques. C'est le cas notamment de ces documents extraordinaires qui sont le table de Gubbio, un ensemble de très longues inscriptions mises au jour vers le milieu du XVe siècle, qui étaient en réalité non pas étrusques, mais ombriennes. Pendant des siècles, le table de Gubbio, à l'instar d'autres textes de différentes langues de l'Italie pré-romaine, ont été insérés dans les corpus étrusques. Entre les signes parasites inventés par des dessinateurs et les signes réels, mais qui n'étaient pas étrusques, il s'était créé une grande confusion qui rendait le déchiffrement de l'alphabet étrusque bien plus compliqué qu'il n'aurait dû être. Les savants du XVIIIe siècle commencèrent peu à peu à affronter le problème des faux et à éliminer les signes parasites. Cette nouvelle phase d'étude est inaugurée par le travail de Filippo Buonarroti, qui fut chargé de publier le manuscrit du De Etruria Regali de Thomas Dempster, qui avait été rédigé entre 1616 et 19, mais qui était resté inédit et fut redécouvert par chance un siècle plus tard par Thomas Cook au cours de son grand tour en Italie. Comme le texte apparaissait irrémédiablement dépassé, Buonarroti y ajouta une riche introduction résumant toutes les découvertes faites depuis Dempster dans le domaine des antiquités étrusques. Cette introduction contient également un alphabet étrusque qui offre une bonne image des connaissances établies au moment de la publication, réalisée en plusieurs volumes entre 1720 et 26. L'étude de Buonarroti constitue le point de départ d'une nouvelle phase d'étude. Ce renouveau d'intérêt pour la civilisation étrusque tirait parti de méthodes encyclopédiques classificatoires développées par les antiquaires du XVIIIe siècle. En quelques décennies, trois propositions principales d'interprétation de l'alphabet étrusque virent le jour. C'est autour d'elle que s'articula la recherche jusqu'à la publication de Lanzi. La première proposition est due à Louis Bourguet dans un article publié en 1733 dans la collection des Saggi de l'Académie étrusque de Corton. Quatre ans plus tard parut le Museum Etruscum de Anton Francesco Gori, qui comprenait un alphabet. Enfin, deux ans plus tard, Scipione Maffei proposa un autre alphabet dans le cinquième volume de ses Osservazioni Letterarie. Les décennies suivantes furent marquées pour l'essentiel par l'opposition entre les deux modèles de Gori et de Maffei, qui s'engagèrent dans une vive polémique marquée par de nombreux échanges et qui concentra le débat. Toute la question était de déterminer le modèle que l'on supposait à la base de l'alphabet étrusque. Anton Francesco Gori, qui adoptait une approche remontant aux travaux de Buonarroti, rapprochait l'alphabet étrusque de l'alphabet grec. De son côté, Scipione Maffei restait fidèle au lien traditionnel de l'étrusque avec l'hébreu, et plus généralement avec les langues et écritures sémitiques. Ces conceptions opposées tenaient à la diversité de formation des deux auteurs. Maffei était avant tout un historien qui travaillait surtout sur les textes littéraires,
Gori, au contraire, était un antiquaire, nous dirions aujourd'hui un archéologue, qui travaillait à partir des monuments, c'est-à-dire des objets. La recherche antiquaire du XVIIIe siècle, caractérisée par les grands recueils et par l'introduction de systèmes de classification analogues à ceux des sciences naturelles, avait commencé à mettre en évidence les très fortes relations existantes entre la culture figurée étrusque et les modèles grecs, et commençait donc à donner des étrusques une image très différente de l'image traditionnelle, en l'insérant bien davantage dans le contexte culturel et historique classique, celui du monde grec et romain. Le débat entre Gori et Maffei, qui enflamma la recherche sur les étrusques pendant un demi-siècle, laissa dans l'ombre la contribution de Bourguet, qui était pourtant d'un grand intérêt. Pour Bourguet, le débat entre origine grecque et origine hébraïque n'avait pas lieu d'être, l'alphabet grec étant lui-même rattaché à une origine hébraïque. Rappelons que dans la première moitié du XVIIIe siècle, il était établi que l'hébreu était la plus ancienne écriture alphabétique, puisqu'elle avait dû être utilisée déjà au temps de Moïse pour écrire la Bible. Et on ne se doutait pas qu'en réalité l'hébreu classique était apparu relativement tard dans l'histoire des écritures alphabétiques sémitiques. Mais l'aspect le plus intéressant de la planche de Bourguet est l'apparition d'une colonne consacrée à une écriture dénommée pélasgique. Qu'est-ce qu'est le pélasgique de Bourguet? C'est tout simplement l'écriture ombrienne utilisée dans les tables de Gubbio. Le terme pélasgique dérive du fait que les ombriens, suivant certaines informations figurant dans les systèmes ethnographiques des écrivains antiques, auraient été le peuple le plus ancien d'Italie. De là à les identifier avec le pélasge des sources grecques, il n'y avait qu'un pas. Selon Bourguet, l'écriture employée dans les tables de Gubbio aurait donc été antérieure à l'écriture étrusque, dans la mesure où elle était utilisée par un peuple plus ancien. Évidemment, nous savons aujourd'hui que les tables de Gubbio sont un document plutôt tardif et que c'est l'alphabet ombrien qui dérive de l'alphabet étrusque et pas l'inverse. Toutefois, la distinction faite par Bourguet est très intéressante parce que pour la première fois, l'écriture des tables de Gubbio était dissociée de l'écriture étrusque. Bourguet fut ainsi le premier à se rendre compte que les deux systèmes n'étaient pas entièrement compatibles. Dès lors, toutes les conditions étaient réunies pour le travail révolutionnaire de Lanzi. Les savants avaient commencé à rendre compte de deux problèmes que nous avons signalés. Tout d'abord, on avait pris conscience qu'il existait un certain nombre de faux et qu'il convenait d'éliminer du corpus et de transcriptions fautives qu'il fallait corriger dans la mesure du possible, sinon exclure de la discussion. Par ailleurs, à partir au moins des travaux de Bourguet, on commençait à se douter que toutes les inscriptions d'Italie, qui n'étaient ni latines ni grecques, n'étaient pas nécessairement étrusques. Il était donc fondamental de prendre conscience de ces deux problèmes pour pouvoir les affronter et les résoudre. Et c'est ce que fit Lanzi. C'est précisément à ce moment de sa vie scientifique que Lanzi croisa un personnage extraordinaire, qui, en réalité, était mort plus de 20 ans auparavant, Pietro Bucelli, un aristocrate de Montepulciano, qui avait développé un grand intérêt pour les antiquités locales, à l'instar de nombreux nobles toscans de l'époque. Comme il le raconte dans certaines de ses lettres, Pietro Bucelli prit conscience d'un fait qui le surprit. Dans les terres qu'il connaissait, et qui à l'époque étrusque était celle de la cité de Chiusi, on mettait chaque année au jour de très nombreuses inscriptions étrusques au cours des travaux agricoles. Ces inscriptions figuraient généralement sur des objets qui n'avaient aucune valeur pour les antiquaires, comme des tuiles usagées destinées à fermer des loculi funéraires, des urnes ou des vases cinéraires en terre cuite, ou encore des urnes de pierre dépourvues de décors. Dès lors, tous ces objets étaient détruits ou réemployés comme matériel de construction dans les fermes. À partir de 1711, Pietro Bucelli entreprit d'acheter toute inscription étrusque mise au jour, indépendamment du type de support. En peu de temps, il en accumula une quantité prodigieuse. Au moment de la visite de Anton Francesco Gori, en mai 1733, le Muséum Bucellium possédait de loin la plus riche collection d'inscriptions étrusques au monde, qui avait atteint des proportions si importantes qu'elle débordait jusque dans la rue et dans les caves des palais voisins. La collection devant un passage obligé pour toute personne intéressée par l'étrusque, c'est ainsi que Maffei aussi la visita quelques années plus tard et transcrivit quelques autres inscriptions. Les problèmes principaux de la collection furent bientôt sa richesse démesurée. Il n'y avait pas de catalogue et les objets étaient dispersés entre plusieurs endroits.
À partir de 1750, Pietro Buccelli entreprit de remédier à cette situation, déclarant vouloir préparer un catalogue illustré, mais au moment de sa mort, en 1754, le travail n'était apparemment pas encore entamé. Son frère Orazio, qui hérita de la collection, sélectionna une cinquantaine d'objets, dont 42 portant des inscriptions, pour les insérer dans la façade du palais, lui donnant l'aspect caractéristique qu'il a encore aujourd'hui. La collection connut un destin complètement différent après la mort de Orazio en 1760. Son fils, Ricciardo, qui en hérita, se montra tout de suite peu intéressé par la conservation de la collection. De plus, le nombre exceptionnellement élevé de ses enfants, 9, dont 8 arrivèrent à l'âge adulte, commençaient à poser de graves problèmes de place dans un palais encombré d'objets étrusques de la cave au grenier. Désireux aussi de recueillir de l'argent pour assurer le futur de sa progéniture, Ricciardo décida de mettre en vente la collection et entama en 1775 des négociations avec le grand-duc. Du fait de la faible valeur esthétique des objets, il n'obtint toutefois au début que des réponses évasives. C'est alors qu'intervint Luigi Lanzi, qui avait pris conscience de l'immense potentiel de la collection Buccelli pour la résolution des difficultés qui posaient encore la compréhension de l'écriture et de la langue étrusque. Au terme d'une négociation complexe, Lanzi réussit finalement à convaincre le grand-duc d'acquérir au moins une partie de la collection. L'accord fut conclu en 1780 et Lanzi put sélectionner notamment 213 inscriptions, dont 100 sur tuiles et 113 sur d'autres supports variés. L'absence de catalogue ne permet malheureusement pas de déterminer la composition exacte de la collection et description de Buccelli. Les informations tirées des publications, à commencer par celles de Gori et Maffei, permettent d'identifier 203 inscriptions étrusques ou étrusco-latines, c'est-à-dire des inscriptions latines sur des supports de type étrusque. À cela s'ajoutent plusieurs dizaines d'inscriptions romaines. Parmi les inscriptions du musée de Florence, seules 90 sont identifiées. Le musée doit donc conserver 123 inscriptions dont l'appartenance initiale à la collection Buccelli n'a pas été documentée. Des recherches dans les archives familiales semblent indiquer qu'en réalité, les inscriptions de la collection étaient bien plus nombreuses, sans doute plus de 450. Et retrouver cet énorme patrimoine désormais dispersé est une tâche difficile qu'il faudra bien un jour entreprendre et qu'il pourrait donner des résultats intéressants. Quoi qu'il en soit, Lanzi affirme lui-même que l'acquisition de la collection Buccelli fut tout à fait fondamentale dans les processus de déchiffrement, et c'est pour deux raisons. D'une part, le fait d'avoir à sa disposition un nombre aussi élevé d'inscriptions authentiques permettait d'exclure cette pléthore de signes parasites qui dérivaient des faux et des erreurs de transcription. D'autre part, la collection comprenait 3 inscriptions bilingues, étrusco-latines, ainsi que 2 digraphes, c'est-à-dire des inscriptions en langue étrusque dans une double rédaction en écriture étrusque et en écriture latine. Lanzi acquit avec la collection le 2 digraphe et 2 bilingues. La troisième bilingue de la collection Buccelli n'est plus localisée. On ne connaissait jusqu'alors que 2 inscriptions bilingues étrusco-latines et aucune inscription digraphe. La première découverte fut la célèbre bilingue de Pesaro, mise au jour au milieu du XVIe siècle, mais sa position excentrée, hors d'étrurie, la laissa toujours en marge des discussions sur l'écriture étrusque. Lanzi lui-même, dans la première édition du Saggio, ne la considère pas avec certitude comme étrusque, et ce n'est que dans la seconde édition qu'il leva le doute et l'intégra au nombre des bilingues étrusco-latins. La seconde inscription bilingue, sur une urne découverte à Arezzo au XVIIe siècle, était depuis longtemps perdue, et ce n'était connu que par des transcriptions considérées comme peu fiables. Cela explique le rôle indispensable joué par les lots de bilingues et de digraphes de la collection Buccelli dans l'entreprise de déchiffrement de Lanzi. Le premier résultat acquis grâce à ces inscriptions fut l'identification du signe du San, c'est-à-dire la sifflante en forme de M, qui jusqu'alors était toujours lu comme M. Comme le rappelle Giovanni Battista Zannoni, dans la préface de la seconde édition du Saggio, cette découverte eut un grand retentissement. En effet, les principaux défenseurs de la nature sémitique de la langue étrusque se fondaient précisément sur la fréquence des mots se terminant en M. La découverte que tous ces mots se terminaient en réalité en S
changea complètement la sonorité de l'étrusque. Grâce à sa méthode et l'apport précieux des inscriptions de la collection Buccelli, Lanzi put exclure les signes parasites et obtenir un inventaire fiable des lettres étrusques, et puis dès lors commencer à distinguer toutes les inscriptions qui n'étaient pas étrusques et devaient être attribuées à d'autres langues. Les deux grands problèmes qui avaient fait obstacle au déchiffrement de l'alphabet étrusque se trouvaient ainsi résolus d'un coup. Comme nous l'avons signalé, l'alphabet reconstitué par Lanzi n'était pas complet, mais suffisait déjà de commencer à lire l'étrusque et à comprendre le contenu de nombreuses inscriptions. La principale erreur de Lanzi, l'identification du signe de Z comme un X, fut corrigée en 1833 par Carl Richard Lepsius. Dans la même étude, Lepsius fut en mesure d'identifier également le premier des signes secondaires de l'alphabet étrusque, le M en forme de V renversé. À la suite de l'article de Lepsius, s'estompa aussi une autre incertitude présente dans l'alphabet de Lanzi, c'est-à-dire la double fonction du signe en trident. Pour corriger les autres erreurs mineures, il fallut attendre la découverte des abécédaires étrusques. En effet, à l'époque de Lanzi, on n'en connaissait que un. Quand seul, l'alphabet pend sur la paroi d'une tombe de Monteriggioni, découverte en 1698 et disparue quelques décennies plus tard. Cependant, on n'en connaissait qu'une transcription si imprécise que Lanzi était enclin à l'identifier comme une sorte de mélange tardif entre étrusque et latin et n'y accorda pas une grande importance. Les erreurs de transcription de ces documents n'ont pu être corrigées en partie que grâce à la découverte de deux nouveaux dessins plus précis publiés en 1997. Le premier abécédaire connu des savants modernes fut retrouvé dans les fouilles de la nécropole de Sorbo à Cerveteri en 1836. Carl Richard Lepsius, qui le publia la même année, n'en mesura toutefois pas l'intérêt, l'interpréta comme l'œuvre de présumés grecs semi-étrusquisés vivant au milieu des étrusques. Ce n'est qu'avec la découverte d'un autre abécédaire, en 1882, dans la fouille du tumulus Chigi de Monte Aguzzo, qui fut rapidement publié par Theodor Mommsen, que l'on commença à comprendre la vraie nature de ces séquences. De ces séquences contenant des lettres qui n'étaient pas utilisées dans la langue étrusque, comme le bêta, le delta, le omicron et le xi. L'article de Mommsen marqua aussi l'acquisition définitive de la présence du coppa dans l'écriture étrusque. Entre-temps, en 1871, Gianfrancesco Gamurrini avait publié deux fragments de pietra fétida découverts dans la nécropole de Vigna Grande à Chiusi, portant trois alphabets, qui avait contribué à préciser encore la connaissance de la séquence alphabétique. On eut d'abord la confirmation de la position du san dans la séquence. Cette confirmation permit de comprendre que les san et les sigma étaient deux graphèmes différents et pas deux variantes d'un même graphème, comme l'avait supposé Lanzi et comme on continuait à le croire jusqu'alors. Par ailleurs, la position du F en forme de 8, en fond des séquences, indiquait là encore que ce signe n'était pas une variante de phi, comme on le croyait jusqu'alors, mais bien un graphème distinct. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, tous les signes courants de l'alphabet étrusque étaient non seulement complètement identifiés, mais également correctement insérés dans une histoire de l'alphabet. Il restait aux savants du XXe siècle à identifier les derniers graphèmes secondaires. En 1936, Eva Fiesel identifia pour la première fois la valeur décifrante du signe en croix, levant le dernier doute qui subsistait dans la séquence documentée par les abécédaires. C'est Giovanni Colonna, en 1972, qui montra qu'en deux temps et des lieux différents, ce signe en croix était au contraire une variante de θ. Peu de temps auparavant, en 1967, Massimo Pallottino avait établi de manière définitive que dans les cités de Cerveteri et de Veille, à partir de l'époque archaïque, les sigma à quatre traits devaient être considérés comme un graphème autonome par rapport au sigma à trois traits, puisque l'usage de deux formes était différencié pour indiquer des phonèmes différents. De manière analogue, en 2000, avec la publication de la table des Cortons, Luciano Agostiniani a pu montrer que le epsilon inversé des Cortons était lui aussi un graphème autonome, qui était utilisé systématiquement avec une valeur différente de celle du epsilon normal. Cette dernière découverte, à la fin du XXe siècle, marque également le terme de l'histoire du déchiffrement de l'étrusque entamé par Luigi Lanzi en 1789. Je vous remercie.